La Guinée n'arrive toujours pas à circonscrire ses différents politiques. Une crise née suite au changement de la constitution de 2010 et la farouche opposition du FNDC à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Pour Abdoulaye Kourouma, les responsables religieux doivent jouer un rôle de premier plan dans un processus de paix. Nos religieux ont un rôle capital à jouer dans ce sens. Lorsque vous êtes prêtre ou imam, votre devoir, c'est de prêcher la vérité, c'est de dire ce qui est et ce qui doit être, c'est de ne pas accepter de tenir des langages partisans, mais ce que les Écritures saintes nous disent, c'est-à-dire le Coran et la Bible nous disent, il faut être le messager vraiment d'Allah. Surtout dans les moments difficiles, dans les moments de crise, dans les moments de crise politique, sociale, même sanitaire. Moi, je pense que tu sois musulman ou chrétien, nous adorons le même Dieu. Depuis le début des manifestations politiques en 2010, la Guinée a enregistré plus de 200 morts dans les rangs des opposants au régime de Conakry. Au regard de ces multiples crises qui secouent actuellement la Guinée, cet activiste de la société civile guinéenne plaide pour le respect des valeurs républicaines. Le principe de laïcité, déjà, c'est quelque chose qui nous condamne de vivre ensemble. Que tu sois musulman, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, je pense que le climat de paix est indispensable. C'est le dénominateur commun de tout être vivant. J'en appelle à la compréhension de tout Guinéen. D'être, si vous voulez, l'élément qui fructifie la paix, l'élément qui soutient la paix pour vivre ensemble dans un même panier. La caravane de paix, le dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques et la mise en place d'une justice équitable pour tous sont les souhaits de ces hommes politiques pour une sortie de crise en Guinée.